Bonjour à tous et bienvenue les amis. Aujourd'hui on va parler EDC encore une fois. Les choses alors GAS correctement puisque il y a tout dans les deux vidéos que j'ai fait sur le EDC, tout n'a pas été dit, et aussi rappel de faire attention pour ne pas acheter tout n'importe quoi. Donc déjà on va commencer par le EDC. Alors le EDC, ce que j'ai montré, c'est pas forcément pareil pour tout le monde. C'est quelque chose qui est évolutif, on peut rajouter ou enlever. Et ensuite, il y a aussi, pour ceux qui ont du diabète, de l'asthme ou des maladies chroniques, ils doivent avoir un certain médicament à portée de main, ça va soit que ça va aussi dans l'EDC, voire même pas que dans l'EDC, mais proche de quand ça poche ou n'importe. Ça, c'est logique et normal. Donc voilà, pour ceux qui ont des problèmes de santé, voilà, ça fait aussi partie. Deuxièmement, oui voilà, comme je l'ai dit au début, c'est évolutif. Moi ce que j'ai mis dedans, peut-être dans 6 mois je refais une vidéo où j'ai enlevé des trucs, rajouté des choses. Aussi, il y a aussi le comparatif de d'acheter une trousse de secours EDC déjà faite. Alors, un avis qui est important dessus, c'est que vous avez toutes sortes de gammes. Jusqu'à la trousse étanche, ça vaut vachement cher. Ça vaut quand même 30 euros plus cher, voire 40, je ne sais plus. Est-ce que, en faisant soi-même, en essayant de ramasser, de récupérer chez un, chez les autres, pour essayer d'avoir le maximum de choses gratos, normal, hein, il faut aussi, voilà, hein, on ne va pas tout acheter non plus. Parce qu'effectivement, faire la comparaison des deux, acheter un truc et en faire un soi-même, je pense faut essayer un peu les deux, je sais pas, faut voir. Ensuite, deuxièmement, voilà, sur les achats, faites attention à ne pas trop vouloir acheter non plus. Faites attention dans le sens où le survivalisme aujourd'hui a quand même une certaine, c'est quand même une certaine mode de marketing. Je veux dire, un exemple tout bête, Bear Grylls a lancé aussi son matos de survie. Donc, vous voyez les bracelets qui sont, c'est un petit bracelet. À corde, en fait, quand on le déplie, enfin, quand on le déroule, ça fait une corde. Le machin vaut 25 euros. Donc, évitez ce genre de... C'est Bear Grylls, certes, mais c'est, je ne sais même pas combien de mètres ça fait. Donc faites gaffe à ne pas acheter trop et inutilement. Parce que, comme dit, le survivalisme, c'est une chose que tout le monde n'adhère pas. Mais par contre, il y a quand même un certain marketing derrière. Je suis conscient, je dis, ce n'est pas dans la tête de tout le monde. Et ça nous enlève peut-être le rêve de dire qu'on est survivaliste, qu'on n'est pas comme les autres. Mais faites attention, il y a énormément d'émissions et de réalités depuis un bon nombre d'années. Et tout ça fait qu'il y a une certaine... il y a un mode survivaliste au niveau marketing. Pas dit comme ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc faites gaffe à ne pas acheter tout et n'importe quoi. Bien que dans le survivalisme, tout peut être. Ça, juste que ça, ça peut
c'est banal, mais en cas de problème, ça fait super utile. Essayez aussi de regarder, et ça c'est pour tout hein, dans la vie, de tout regarder avant d'acheter au pifomètre. Et comparer aussi les marques. Et comme je disais, Bear Grylls, ouais, c'est bien, le mec il est fort, ou ça machin, j'ai rien, au contraire, j'aime beaucoup. Mais par contre, le bracelet à 25€, alors que vous avez acheté un truc de corde vraiment conséquent, à 8€. Voilà, donc faites gaffe à ne pas vouloir acheter tout et n'importe quoi. Et comme dit, sur l'EDC, on peut mettre ce qu'on veut. On peut avoir un EDC normal rang. Ensuite, l'EDC, ce qu'il faut savoir sur l'EDC, c'est un complément du sac d'évacuation. Le sac d'évacuation dit le Bob, on en parlera dans une autre vidéo. Et quand j'aurai plus ou moins terminé le mien, on va voir un peu plus comment c'est. L'EDC, c'est facile par rapport au sac d'évacuation. On parlera dans une prochaine vidéo de ce que c'est que ça d'évacuation. Mais c'est un peu plus complexe, il faut mettre un préparatif, il faut un peu évaluer les scénarios et puis tout ça. On en parlera dans une vidéo prochaine. Moi je vous dis à bientôt, à la prochaine. Et portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou pas, j'en sais rien. Mettez les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, c'est super important. Aussi, je lance un petit sondage. Pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, et ça serait bien. Est-ce que je garde le générique du début ou pas? Laissez-moi vos commentaires pour me dire si ça vous plaît, si ça vous aime. Sinon, j'essaierai d'en laisser ça autrement. Je pense avoir tout dit, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sûrement la prochaine vidéo, ça va un peu vous choquer, mais on va parler de quelque chose d'autre. C'est nos amis les plantes. On va aussi faire des vidéos sur la permaculture. Sur comment faire un potager en appartement, puisque c'est possible. On partira aussi sur des chemins différents du survivalisme, mais globalement, c'est ça. Bon voilà, moi je vous dis ciao, à bientôt, et portez-vous bien. Ciao.